Salut, bienvenue à tous dans nouveau rendez-vous d'actualité. Vincent Lagaffe, l'ancien animateur de jeux Big Deal et Robin Ruiz, son fils unique, affectionne les mêmes passions et les mêmes ambitions professionnelles. Bercé par le monde de son illustre père, le fils de Vincent Lagaffe a en effet baigné très tôt dans le monde du visuel. De retour sur TF1 dans Camping Paradis, le 3 août prochain, l'animateur a fait de rares confidences sur son fils unique. On partage pas mal de passions, notamment l'amour des sports extrêmes, de l'adrénaline, a-t-il confié à Télestar dans une interview parue ce vendredi 20 août 2021. Né en 1990, le jeune homme découvre très tôt les coulisses des jeux télévisés. Elle a grandi sur les plateaux de Big Deal et de Juste Prix. Elle est née les yeux dans une caméra et les mains sur une table de montage, a confié l'humoriste, fier de ce que son fils est devenu. L'animateur vedette n'a pas souhaité qu'elle naisse avec une cuillère d'argent dans la bouche. « J'ai très vite dit à mon fils qu'il fallait qu'il se débrouille tout seul s'il voulait vraiment faire ce métier. Et c'est ce qu'il fait », a-t-il avoué au magazine. Passionné de sport à adrénaline, Robin a su allier son appétence pour cette discipline à sa carrière professionnelle. Elle a donc entrepris des études de cinéma documentaire avant de monter sa société de production de films sportifs. Aujourd'hui réalisateur, Robin Lagaffe partage ses réalisations sur sa chaîne YouTube. Après de longues années d'absence, le célèbre humoriste fait son grand retour sur TF1. En effet, l'animateur donnera la réplique à Laurent Ornac des Camping Paradis le 3 août. Les attendus Vincent Ruiz, de son vrai nom, jouera le rôle d'un directeur de cirque en conflit avec son fils. Le père est un vieux têtu, alors que son fils a compris que le monde évoluait. Si on reste dans son confort, entre gens de la même génération, on a tendance à camper sur ses positions, a expliqué le Maurice dans les colonnes de magazine. Une relation bien loin de celle qu'il entretient avec son fils unique. Acteur dans l'âme, l'animateur a longtemps été attiré par la comédie. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.